à ce jour, RTL est la première société qui a fait cette expérimentation avec l'aide de l'UBA et de l'association congolaise de banque. Nous avons réussi, c'est-à-dire pour la première fois en République démocratique du Congo, à mettre à contribution notre produit RTL Money pour la paye des fonctionnaires, ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Donc RTL est très fier et nous en sommes très heureux. Et la deuxième particularité de ce qui s'est passé, c'est que jusque-là, la monnaie électronique en République démocratique du Congo, c'est-à-dire à travers le téléphone portable, se faisait en devise, en monnaie étrangère. Mais RTL a innové en amenant le franc congolais, c'est-à-dire la monnaie locale. Donc les policiers ont reçu leur paye en franc congolais, ce qui n'a jamais été fait en ce qui concerne le mobile banking. Donc RTL est venu avec cette innovation parce que nous étions la première société à avoir mis en service ce produit de monnaie électronique depuis le mois de mars. Et déjà au mois de juillet, nous avons procédé à la paye des enseignants avec, en partenariat avec le PNUD. Et cette fois-ci, nous l'avons fait avec les fonctionnaires. Donc nous espérons que brièvement, monsieur Dandy, vous pouvez. RTL n'a qu'à se présenter à RTL et ils se présentent comme ils sont tous identifiés. Il y a ce qu'on appelle dans notre menu RTL Money. RTL Money, donc, c'est-à-dire Mfalanga, mais dans le menu RTL, RTL Money, et il accède à RTL Money. Et avec ce service, il a normalement un code qu'il doit mettre, et avec ce code, il peut se présenter à un point cash RTL Money, partout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous en avons 6500, et il dépose du cash, et à ce moment, cette monnaie est transformée en monnaie électronique. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, comme nous venons de le voir, avec les salaires, les personnes qui ont des SIM RTL peuvent se faire payer leur salaire par RTL. RTL Money. Aussi, une autre possibilité, toutes les personnes qui veulent acheter des unités, des recharges, ils peuvent le faire par RTL Money, ou encore des personnes qui ne veulent pas trimballer du cash avec eux, ils peuvent utiliser RTL Money pour envoyer de l'argent à leur famille à travers la République démocratique du Congo, où qu'ils soient. Il suffit de se présenter à un point cash RTL Money, ils donnent le code, on lui donne du cash ou il met du cash et cette monnaie est transformée en monnaie électronique. Et comment ? Dans notre système, toute personne qui est identifiée par son numéro ajoute en plus de cela un code. Et ce code est personnel. C'est comme avec les cartes bancaires. Donc, vous gardez secret votre code parce que c'est votre code qui vous permet d'accéder à votre monnaie électronique qui est dans notre système. Donc, personne ne peut y accéder sauf si vous donnez le code à cette personne. Donc, nous avons verrouillé le système tel que uniquement le propriétaire de la SIM est la personne qui détient le code et il est donc la seule personne à pouvoir accéder à son argent qui est gardé dans notre système par monnaie électronique. Un téléphone portable, c'est possible. Près de 700 policiers viennent de l'expérimenter ici dans la commune de Matete à Kinshasa via RTL Money. M-Pesa, Tigo Cash vont lui emboîter le pas. Le scénario est simple. La banque transfère les coordonnées électroniques aux opérateurs télécoms qui automatiquement envoient un SMS au bénéficiaire. Ce dernier peut donc se présenter devant des cash points. Ceci est une solution aux engorgements devant les banques. Solution plus efficace là où les banques n'existent pas. Même s'il perdait sa SIM, il peut aller acheter la SIM blanche. Et la SIM blanche sera qu'on va contenir son compte, son solde. Et il peut en disposer du cash n'importe comment. Le verrou, c'est le code personnel. Ce mode de paiement va beaucoup plus s'appliquer en province. La facilité qu'on vient de nous offrir, parce qu'on va éviter aux policiers de faire le tour des banques en train de chercher, il doit être payé, ainsi de suite. La paye des fonctionnaires et agents de l'État, opération supervisée par le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Moukoko Samba, ne tarit pas d'imagination pour faire de cette opération un rituel. L'heure de la monnaie virtuelle a donc sonné. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris de nouvelles sanctions contre des responsables du M23 et de FDLR, deux rébellions qui sévissent dans l'est de la RDC. Jean-Marie Runiga, Lou Guerrero et Eric Badegué, considérés respectivement par les conseils de sécurité comme le chef civil du M23 et un commandant du M23 soupçonné d'exactions contre des femmes et des enfants. Ils sont interdits de voyager. Leurs avoirs sont également gelés. Cette décision de l'ONU est saluée par Susanna Rice, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui estime pour sa part que ces décisions vont faciliter des progrès vers une paix durable dans l'est de la RDC. Elle demande par ailleurs aux membres du M23 et de FDLR de faire défection et de se démobiliser afin de se dissocier des groupes armés sanctionnés.
La diplomate américaine a évoqué l'éventualité de mesures supplémentaires du Conseil contre ceux qui persistent à fournir un appui extérieur au M23 ou à contrevenir à l'embargo sur les armes imposé aux groupes armés actifs en RDC. La RDC, l'ONU ainsi que plusieurs organisations accusent le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. Le gouvernement congolais se dit satisfait de ces sanctions qui viennent d'être prises contre les deux groupes armés à la base de la déstabilisation dans la région de l'Est de la RDC. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, souhaite que ces mesures prennent la forme la plus effective possible pour donner une chance à la RDC et à toute la région de Grand Lac de retrouver la paix d'une manière durable. La question que tous les Congolais se posent est celle de savoir pourquoi sanctionner des individus en lieu et place de ces États rebelles qui appuient ces groupes armés. Le peuple congolais n'a pas besoin de sanctions fantaisistes face à une situation dont les auteurs sont connus de tous. Le Rwanda et l'Ouganda devront être sanctionnés. Le secteur de la vie nationale n'a été épargné par la crise. Dans des domaines où le gouvernement et tous les acteurs ont fait la preuve de leur savoir, faire de leur détermination à aller de l'avant, des pesanteurs inattendues sont venues assombrir d'heureuses perspectives qui devraient en découler. Au final, les Congolais n'ont pas pu récolter les fruits de sacrifices et autres efforts soutenus après des durs labeurs. Le danger de la balkanisation, il est un défi permanent qui doit être relevé cette année. Mettre un frein au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo, prise en termes d'enjeux, la démarche ne doit pas être réservée au seul État congolais. Tout le monde est concerné, les institutions, l'armée, la police, la classe politique, la société civile, la population, tous ont l'obligation d'éloigner puis d'éradiquer ce spectre macabre qui se profile à l'horizon. Il y va de l'existence même de la République démocratique du Congo comme État dans ses frontières issues de la colonisation. La mise en garde part de l'occupation de Rutshuru et de Nyiragongo, deux territoires du Nord Kivu par le M23. La menace de reprendre la ville de Goma est toujours d'actualité malgré les pourparlers de Kampala. La mobilisation tous azimuts vise à contraindre Kigali et Kampala à renoncer à leur visée expansionniste et non à se morfondre dans des démentis et autres reniements inutiles. L'absence de cohésion nationale est un déficit que les ennemis de la République utilisent pour assaillir le pays. Au cours de l'exercice passé, la classe politique s'est illustrée par un manque d'appréhension des enjeux du moment. En ce qui concerne les perspectives 2013, elles sont perçues du point de vue des défis à relever. Le gouvernement devra poursuivre sa politique de rigueur et d'orthodoxie en matière de gestion des finances publiques. Il doit également se trouver d'autres sources de ressources extérieures en accélérant le processus pour un nouveau programme avec le FMI, ce qui aidera à lui offrir des vannes de financement extérieur à des taux concessionnels. L'autre défi majeur, c'est la création d'une armée dissuasive telle qu'annoncée par le chef de l'État. Il s'agit d'un agenda prioritaire qui exige des moyens conséquents, lesquels ne peuvent être trouvés qu'en travaillant de manière assidue. La coopération avec des États partenaires dans le secteur devra également être mise à contribution pour atteindre l'objectif de la modernisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce socle de l'existence même d'un État manque cruellement à la RDC. Enfin, les jeux démocratiques doivent être relancés. Le dynamisme de 2006 doit être retrouvé afin d'éviter à la nation de retourner à la case départ. Aucune question ne devra être éludée par le Parlement afin de ne jamais donner le prétexte à des rébellions ou de contestations de la légitimité des institutions. De l'extérieur, c'est une maison qui attire la curiosité de tous les passants, mais l'intérieur, c'est une poubelle. Elle a été mise en location par son propriétaire au chinois de la société Chunlin depuis 4 ans. Tout est détruit et la maison est abandonnée par ses occupants. Voilà qui inquiète son propriétaire,
le député national Bolenge Tenge. Aucune réflexion, rien vraiment à l'intérieur, même pas la peinture pour garder la maison. La maison, ils ont occupé ça pendant 4 ans. Et quand on a pris la possession de la maison ici, ça fait presque maintenant 6 mois. Ils nous ont demandé la mesure de grâce. Et on leur a accordé ça. Et aujourd'hui, ils sont partis. Maintenant, en essayant de vérifier l'état de la maison, on était vraiment désolés pour voir comment les personnes qui viennent dans notre pays et qui prennent possession de nos maisons pour y habiter, se comportent dans ce sens-là, dans ces raisons-là. On veut seulement montrer la face du monde que ceux qui viennent, qu'ils nous respectent aussi avec les biens que nous leur cédons. Loin d'intenter un procès contre ces immigrés chinois, le propriétaire déplore ce comportement qui frise le sabotage des efforts que les dignes fils du pays déploient pour la reconstruction de la République démocratique du Congo.